Against all the evil that hell can conjure, all the wickedness that mankind can produce, we will send unto them only you. Rip and tear until it is done. Bonsoir et bienvenue pour un nouveau live.
Que soit, nous reprenons où est-ce qu'on était rendu hier. J'ai, oups. Où est-ce que j'ai mis mon autre stack? Bah, pour l'instant, ce sera ça. C'est deux stacks de poudre de diamant pour faire un stack de refine alloy. Fait que j'ai récupéré mes crushing wheels, mais je les ai enlevés parce que je pensais en avoir eu assez, mais finalement j'ai décidé de tourner aujourd'hui, fait que on va juste faire ça comme ça, un demi stack, ça devrait suffire au final. Ça on enlève, ça on enlève. Ça, ça, ça. Puis ça, t'as qu'à faire. Ça, c'est fait. Ok. Il nous faut ça ici. Tout est dans le backpack, normalement. J'ai ça ici. J'ai ça. Et ça. Et voilà. Et voilà. Donne-nous ce qu'il nous faut. Ok. Ça, on peut déposer. Ça, j'ai aucune idée de comment le placer. Je sais, ouais, c'est ce que je veux faire. Je sais, il faut que je le place à une certaine distance, là, l'un de l'autre. On va profiter, on va boucher ça ici. Bon, F7. Aucune idée de la hauteur que j'ai besoin de la mettre. Je pense que ça devrait suffire. En vrai, le plus simple, c'est faire ça ici. Ah ouais. Quand ça lag. Ça va pas bien. C'est du 4x4. J'ai besoin d'un bloc plus haut. Je suis pas sûr, je vais le mettre un bloc plus loin pour être sûr là. Allez donc vous faire mettre. Venez-vous-en. Allez vos chapeaux. Ah, oh, tabouin, viens ici que je te fasse ta fête, toi. Tiens. Tu viens, saleté. Descends, chicken, away. Yeesh, hey, ils sont. L'IA, on a vu mieux là pour l'IA de ces bestioles là.
Il va crever! Voilà! Il est crevé! Saleté de bestiole! Ok, bon! Ce qui m'intéresse, c'est de regarder dans le questbook, mécanisme. C'est pas méca. C'est dans quoi? Miscellaneous? Ici. Pourquoi tu me le. Ici, t'as là. Ah, il manque ça ici. Il me faut ça ici aussi. Ah, moi ça, bon. Un 5x5. Au milieu. Au milieu. Ça veut dire que j'ai pas besoin de le mettre aussi haut que ça. Au niveau du 3. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le centre. 1, 2, 3. Ça, c'est le centre. 1, 2, 3. Ici. 1, 2, 3. Ici. Non, j'ai un bloc trop loin. Bon. Ça. Et comme ça. Maintenant, si je fais ça. On dirait que ce sont inversés. Essayez ça comme ça. Mais dans l'autre sens. Si je fais non, je suis dans le bon sens. Ok, ok, je vois où est-ce qu'il faut que je le mette. Ici. Voilà.
Lui est correct. Lui, il faut que je tasse ici. Hey, t'aimes ou pas, toi? Comment? Et là, si je fais ça, c'est lui qui vient ici. Voilà. Je peux le descendre de 1. On va le descendre de 1. On va y descendre de 1. On va avoir la paix. On va y descendre. Et comme ça, ce sera pas pire. Voilà. C'est un 3 par 3. J'ai besoin de plus grand que ça. Il faut que je décale encore de 2 blocs. Ici. Lui, je le bougerai pas. C'est-à-dire que lui, je vais le décaler de 4 blocs. Ça. 2 blocs. Vous allez comprendre, lui, je peux pas le décaler à cause du fait qui se trouve à être sur mes plantations de fleurs. Tente-moi pas, toi, comme ça. Peut-être va falloir que je le décale. D'après moi, il va falloir que je le décale. On va regarder. D'un coup, il va falloir que je décale d'après moi. Ok, lui m'indique ça. C'est lui ici, je vais me fier sur lui. Ok, lui doit être ici. Et lui doit être en face. Dégagez, vous autres. Probablement ici. Voilà. Trop bas même. On va les monter d'un bloc. Ah ouais. C'est du peaufinage. Je connais pas je connais pas ce mode-là. Compacting, je connaissais pas. Fait que je vais connaître. Mais faut quand même. Ça demande un peu de. Ça demande un peu de prise en main. C'est de l'ajustement, puis on regarde, puis. Dans le bon sens, c'est bien. Ça. Voilà. On est à la bonne hauteur. Bon. Avec tout ça, si on peut enlever, j'ai besoin de 16 blocs comme ça. Bon, alors regardez, il va me falloir que je fasse mes crafts. Ça, ça, ça. J'ai besoin de 16, ça veut dire 3 crafts comme ça. Iron, on va regarder si il m'en reste. Iron. Non. Ah, c'est vrai, j'ai pas besoin de faire ça. On va faire de quoi ici? Je vais en avoir de quoi. Voilà. Ici, on a du métal. C'est quoi? C'est des plates qu'on a ici, c'est bien.
Hey, qui t'a dit de ramasser les stacks de fer, toi, mon tabouère? Voilà. Normalement, aujourd'hui, le projet, c'est de faire notre induction smelter pour être capable de faire l'élément qui nous manque pour commencer le système de stockage. Et à partir de là, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas comment on va s'arranger, mais vu que c'est Refined Storage que je connais pas, qui est un petit peu comme Applied. Il est un petit peu comme Applied, fait que ça devrait pas être trop pénible à prendre en main. Moi, il y a de quoi que j'ai vu par exemple hors live. Vous allez voir là, quand on va réussir à faire notre stack de plaques. C'est super stylé. Allez voir. On arrive à... On est à 40... Ça, je pense qu'on n'a même pas besoin d'avoir faim pour le manger. Ah bon? Tiens! Pull toy hat! Bon. Ça rame. F7, on va enlever les... Tout ça, là. Là, ce que je vais chercher, c'est... Où est ma base? Ah, là. Je suis en dessous. J'ai été téléporté en dessous. Ah. Non. Bon. Voilà. Bon, techniquement, j'ai un stack de plaques. Ouais, j'ai plus le stack. Vous voyez, il y a un petit ruban noir qui apparaît, genre pour maintenir les plaques ensemble. C'est vraiment stylé. Le ML a fait un travail de malade sur ce modpack-là. Ça, c'est un fait. Je sais pas si c'est lui qui a fait ça, là, mais je trouve que c'est stylé. Bon, je pense qu'on a, je vais pouvoir me débarrasser du Weezer parce que je pense que j'ai mon Éthergas doit être plein. En vrai, même si je le laisse là, il borde pas là. Je vais juste, au pire des cas, voir ce que je vais faire avec là, mais il est dans une structure on devrait pas être capable de bouger actuellement là. Là, j'ai pas mis de redstone dessus, fait que je peux casser les blocs, mais le but final, c'est de mettre un coup de redstone pis ça devient la bedrock pis qu'il n'y a pas de passer au travers. Et voilà, deux stacks de plaques, ça devrait être suffisant pour ça. On va faire notre craft ici, viens ici, donne-moi ça. Il a même pas ramassé les plaques, ça m'énerve. Et voilà. C'était 12. Non, c'est 16. 16 plaques. 16 comme ça. On va regarder. Ouais, c'est bien 16. On steel. J'ai pas de steel plate. Ouh. Allons chercher des steel bits.
J'ai mes steel, mes iron steel, comme ça. Dans quel ordre je commence? Le steel est en bas. Je vais commencer 4. C'est-à-dire comme ça ici. Là, je vais juste enlever ce que j'ai mis les deux qui sont en bas, parce qu'ils n'ont pas d'affaires là. Ça. Oups. Ah, ça ici. Voilà, donne-moi ça. Ça. Tac. La 5. Ça, j'ai un bloc trop loin. Tac, 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 tac. Et tac. Comme ça, c'est fait. Au moins, l'essentiel est fait. On va chercher. Il me semble que j'ai une steel bee. On va regarder si j'ai des steel honeycombs. Il me semble. C'est probablement une steel bee, ça ici. Steel honeycomb. Ah, on va se remplir. Voilà. Comme ça, on a la paix. On va pouvoir en ramasser plus. Et surtout que je peux balancer. Oh, je vais me récupérer. J'ai pas de. D'item pipe. Je vais en avoir ici. Je n'ai dessus, je n'ai pas. Ouais, j'en ai un ici. On va se prendre un chest. Chest. On va se prendre ça. On va se prendre un double. C'est l'équivalent d'un double que j'ai. Comme ça, on se met ça ici. On se prend notre wrench. On donne un petit coup comme ça. On remonte ça ici. Et on se descend. Masse honeycomb. Ça. Et on recommence. On vide. Et on recommence. Allez, dernier petit coup, et voilà, t'es fait. Comme ça, ça produit beaucoup plus vite. J'output pas mes lingots, mais en vrai, c'est pas grave. Là, ça va se remplir en vrai. Je vais me récupérer d'autres chests. Et on va ramasser les deux derniers que j'ai ici. Puis on va se ramasser une autre pipette. Un autre pipe, item pipe, pour sortir nos lingots. On va les sortir en avant. On va pas les mettre dans mes jambes, on va les mettre comme ça ici. On va pas me le mettre dans les jambes. Backpack, ici. Comme ça. Et voilà, les steel ingots sont là-dedans. Et voilà, ça on est pour ça là-dedans et on a plein de steel. On a plein de steel. Ah. Bon, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait ici comme petit setup. C'est bien. Il nous reste plein de stock ici à ramener, là. Le stockage je le prendrai pas, là. Ce qui est malheureux. Non, merci. Donne-moi ça. On va se mettre ça ici. Et on va se mettre compacting drawer ici avec... On va remettre un petit coup de wrench. Comme ça. Je peux monter ça ici.
Comme ça, ça output notre biwax là-dedans, automatique, même si j'aurais voulu que ça rentre pas dans le chest là, mais bon. Je peux pas tout avoir d'envie. Ah bon, ben j'avais un achievement que j'avais pas fait encore. Donne-moi mon stack comme ça, et voilà. Hey, voilà toi. Merci. Bon, on va ramasser notre achievement, on va ramasser ça. Et on va en profiter, on va chercher immersive. Le steel, ça va me donner un bloc de steel. On peut le garder ici. Ensuite, on va regarder nos autres achievements qu'on a eu. En vrai, ça c'est fait, c'est correct. Mecha, on a fait notre métallurgique. Fait qu'on peut récupérer le steel casing. Ça m'en a donné un, c'est quand même bien. Ensuite, dans les billes, on a la centrifuge. Ça me donne 100 d'XP. Il va falloir qu'on continue de travailler dans les abeilles. Parce qu'on a quand même beaucoup d'abeilles que j'ai pas. La cake honeycomb, il va falloir que je la fasse. Ça ici. En vrai, on n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. Faudra qu'un jour je me rende à la pierrerie tier 4, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Bon. Là, on fait juste monter ça. Pas ici, je veux mettre ça ici. C'était juste pour voir nos plaques. Les seuls qui ne font pas de petits rubans, c'est les steel plates, malheureusement. Ça aurait été stylé, un petit ruban sur les steel plates, comme les iron plates. Je trouve que c'est stylé. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis. Mais c'est pas plus grave que ça. Là. Le travail qu'il a déjà fait sur le modpack est plus que conséquent. Donc, pas besoin d'en faire plus. Puis j'ai encore un vrai bordel là-dedans, il va falloir que je fasse du ménage beaucoup plus intensif là-dedans. Vous voyez, ça n'a pas de tête de petit ruban dessus, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ça peut la faire là. Ce que je fais là, ça va nous permettre de faire Induction Smelter. Une fois qu'on aura fait notre Induction Smelter, on aura plus besoin de passer par la miniaturisation. Malgré que la miniaturisation, c'est quand même stylé à regarder. Je l'ai vu en live, j'ai vu Emel le faire, fait que j'ai fait donc ben stylé. Mais bon, on se battra pas avec, là, regarde. On va vivre avec le mode comment il est fait. Puis c'est très très bien fait, là, en vrai, là, c'est... Il nous oblige à passer par Create puis à passer par plein de modes différents pour qu'on découvre le jeu. Découvre plein de modes différents qu'on aurait peut-être pas forcément joué dessus à l'origine. Moi le premier, quand je pogne Mechanism ou les machines. Je vais les trouver là. C'est Mecha, je pense. Ouais, c'est Mecha. Les machines de Mecha. Je travaille que par mecha. D'habitude, là, sur mon mode. Pour ceux qui ont vu le mode DDSS que j'ai joué dessus, j'ai pas terminé là, en vrai. Il va falloir que je le termine un jour. Pas tout de suite. J'ai eu ma dose de craft de Mongol. Je te passe par mecha. Je passe par mecha. Je passe pas par autre chose. Je me suis habitué à travailler par mecha. Mes machines sont faites pour mecha. Mais j'ai toutes les autres. J'ai toutes les machines que le mode me demande. Je travaille pas avec, mais je les ai. Alors que je commence à... Avec ce mode-là. Avec ce mode pack-là, je peux me permettre d'essayer un peu tout. C'est un mode pack assez complet et light en même temps. En vrai, ML aurait pu être plus salaud sur les crafts. Il l'a pas été. Qui en vrai, en soi, pour moi, ne me pose pas de problème. Mais pour du monde qui sont habitués à ce genre de mode-là, pourraient le trouver beaucoup trop facile.
Moi, personnellement, il ne me gêne pas. C'est combien qu'il en veut? 8, je m'en fous un autre craft. Mais en vrai, moi j'aime comment il est fait le mode pack. Beaucoup simple. Assez simple pour pas que je me prenne la tête 2 heures de temps sur mes crafts. Mais quand même suffisamment complexe pour me prendre du temps à avancer. Et il me faut ça ici. Le cerveau. Et voilà. Bon, vous allez pouvoir assister à la miniaturisation. On va tout mettre ce qu'il nous reste ici. Vous allez voir, c'est relativement... C'est très stylé en vrai. Moi, je trouve que c'est stylé. Ah, j'ai une torche sur mon chemin. Ah, même pas. Ok, c'est bon. Je pensais que j'avais une torche sur mon chemin. Bon, j'ai un bloc de trou ici. C'est au poil de cul, là. Comme quand on dit c'est au poil de cul, là, c'est vraiment au poil de cul, là. C'est vraiment fait pour que t'aies exactement le bon nombre de blocs. T'as pas de blocs d'extra, t'as rien qui manque. Puis là, si je fais ça... C'est quand même stylé, on le voit se compresser là. Après ça, il pop en petit bloc. Et voilà. Une seule machine frame me suffit. Donne-moi ça. Et maintenant, Induction Smelter. Il me manque le Blast Furnace. On va se recrafter un four. On va venir ici, on va se faire le... Oh, Smooth Stone. Il va me falloir de la stone. Il va falloir qu'on s'en fasse cuire. Stone. 3. Bon, ça va aller. On va vider un peu ma merde que j'ai sur moi, ça. Oups, ma warpstone, je vais la récupérer. Ça, on peut déposer. On dépose. On va récupérer ma warpstone. Voilà. Voilà, Smooth Stone. Et maintenant, on peut faire le Blast Furnace. Ok. Bon, pour l'autre partie, c'est des Invar Gear. Il va nous falloir de l'Invar. Invar. On va s'en faire un stack. 16 gear devrait suffire. 16 de gear, ça va suffire amplement. On se prend notre gear mold et on y va. Et voilà, ça tourne. Ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est long avancé. C'est long. Je dis que c'est long avancé. C'est long débloquer chaque chose qui nous suffit. Mais une fois qu'on a les machines d'immersive, ça va avancer plus vite parce que mes frame blocks, je peux les faire dans l'induction smelter, mais ma douce maintenant, je peux passer par le pulvériseur. Il y a plein de choses qui maintenant vont être beaucoup plus simples. Juste à cause qu'on a les machines maintenant. Bon, maintenant, on peut se faire. Il manque juste ça ici. Tac, et voilà. On a notre Induction Smelter. Oups, je n'ai pas de quoi. Il y a un trou. C'est mort. Il n'y a plus rien. On va récupérer mon dink. On récupère ça et on peut boucher.
Je m'attendais à ce qu'il me donne. Immersive. Immersive Engineering. Non, en vrai, Industrial Foregoing. Y'a rien là-dedans. Les machines, ils nous les donnent pas, genre y'a pas d'achievement dessus. Ce que je trouve dommage. Mais en vrai, ça m'étonne pas parce que c'est un mode très bien connu. Donc pas besoin de chercher 2 heures pour le faire. Bon, ça, j'ai plus besoin de ça. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher du fer. On va se mettre... Il va me falloir du... Il va me falloir ça ici, il va me falloir... Hey, donne-moi ça. Enlève ça de là. Il va me falloir... Hey, donne-moi des chests, s'il te plaît. Il va me falloir un stack de quartz. Même, on va en prendre 2 stacks. Et ça, ça se mélange. Utilité du quartz dans l'induction smelter. Ici, non, multi-servo press. Induction smelter avec 3 stacks de fer, c'est-à-dire 6 stacks dans le cas présent. Ça, ça va aller là. Ça, ça va aller là. Ça, on va tasser ça. On va tasser ça. Ça, on peut déposer. Et pour le faire, on en a là-bas, on va en récupérer. Puis on va pouvoir commencer à farmer les ressources qu'il nous faut pour le... je vais y arriver. Pour notre système de stockage. On va mettre ça ici, un double chest sur le dessus. On va faire configuration auto in et output sur le dessus, les deux. Et tu me balances tout ça dedans. Et voilà. Maintenant, on a notre enrichette. L'enrichette quartz. C'est ça, l'enrichette iron. Je ne me souviens plus du nom. Le quartz enrichette iron. Maintenant, avec ça, on peut commencer. Ça, c'est extra disque. On peut commencer Refine Storage. Avec ça, on peut commencer. Il va nous falloir... j'ai pas regardé ce qu'il nous fallait comme item. On va regarder. Ici. Formulaire assembly. Non. Refine Storage. Il me faut ça ici. Le Machine Frame. Il va nous falloir un Machine Frame avec du quartz photo. Mais avec ça, on va être capable, un Machine Casing, être capable de commencer. Avec ça, on va en avoir de besoin pour faire, on va regarder les quests différents. Il va nous falloir le Crafting Manager. Il va nous falloir ça comme ça. Les Crafting Grid, les Crafters. Il nous faut des Crafters. Il va nous falloir des crafters aussi. Ok. Ensuite, il va nous falloir... Non, le crafting manager. Oui, il va me falloir le crafting manager. Il va me falloir le crafting grid. Il me faut le grid et... Il va nous falloir le grid. Il va nous falloir le... Il est où le disk drive? Il va falloir le disk drive. Il va nous falloir. Il est où? Il est le contrôleur. Et pour faire ces choses ici, il nous faut des processing binding qui sont avec du mana infuse, des mana infused string, qui se font avec du string cheese. Fait qu'il va nous falloir le rat upgrade chief, qui coûte des gâteaux, beaucoup de gâteaux. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mais au moins, on a commencé la production de nos affaires. Fait qu'en attendant, on va commencer à farmer ce qu'il nous faut pour faire tout ce qu'il nous faut.
Cherche le mot, là, mais je vais y arriver. Là. Si on peut... J'ai plus de place dans le stockage. Ok, il va me falloir mes bijar. Il va me falloir deux fleurs. Vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de reproduire la Kitten Bee et l'Oreo Bee. Ces deux abeilles-là, une fois reproduites, vont me donner la Cake Bee. Et une fois qu'on aura la Cake Bee, il va nous falloir regarder d'autres choses. Il va falloir qu'on fasse d'autres choses. On n'a pas besoin de la reproduire. Je ne connais pas le bloc de travail de la Cake Bee, mais on regardera après. Probablement un gâteau là pour être sûr. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est un gâteau. Fait, on va récupérer avec nos deux jars. Kitten. Il va juste falloir l'Oreo Bee. Qui n'est toujours pas sorti. Elle on va sortir l'Oreo Bee. RGBB. Allez. Encore 3 minutes. 2 minutes. Un peu plus de 2 minutes. Non, ouais, wow, je regardais pas à bonne place. 3000 secondes. Un peu plus de 3. Un peu plus de 4 minutes. Ah, plus que ça. C'est 4 minutes. Là, c'est 4 minutes. Wow, je vais regarder en attendant pendant ce temps-là. Là, on va regarder pour les cakes. Centrifuge, il me faut le cake honeycomb qui vient de la cake bee. Je veux le. Utilité de la cake bee. Bee flowering, c'est un bloc de sugar cane qui se fait avec 900 cannes à sucre. C'est pas si pire. Je me demandais aussi. Elle demandait quoi comme bloc. Là, on va le savoir. Il me faut un bloc de canne à sucre. On va le faire après. Parce qu'on va pouvoir aller la mettre ici. Il me reste une belle petite place ici, juste pour elle. Allez, il nous faut notre Oreo Bee. Là, je peux faire l'export aussi. On va faire export. Hein? Non, je peux pas. Je pensais que je pouvais sortir de là, mais non. Pour l'heure, j'attends. Encore 2 minutes. Je veux pas manquer. Parce qu'elle rentre assez vite dans son bloc de profession. Là. Je vais récupérer ça ici. Allez, toi, le chat, là. Mais, dégage. Il me faut une fleur chaque. Allez, ça. Bon. En vrai, c'était plus que ça. C'était plus que 4 minutes. C'est des tics. C'est des tics. J'ai arrondi en secondes. Mais c'est. Je me souviens pas exactement c'est combien de tics qu'une seconde. L'Oreo B! Voilà. L'Oreo et la Kitten avec une petite empty jar. Il y a 100% de chance d'avoir la Kitten Bee, de la Cake Bee. De chance, fait que je vais pas m'inquiéter. On va juste surveiller quand elle est sortie. On est en business. Ok. Il nous faut beaucoup de gâteaux. C'est la dure réalité. Il nous faut 6 gâteaux pour faire le bonus. Il va nous falloir qu'on mette un chest plein de string, plein de cheese et un chest. C'est un double chest. Il va falloir que je mette un double chest.
de cheese. Il va falloir que je montre à mon rat de prendre d'un bord et de sortir dans l'autre. Une fois qu'il a transformé les string cheese, qu'il les envoie dans un drawer à côté pour qu'on puisse avoir ou un diamond chest ou voir un obsidian chest, peu importe. Pour qu'on puisse avoir l'espace. Bonsoir, Titu Kite Konashna. Ok, bon, drôle de pseudo. Titu Kite Konoa. En tout cas, comment vas-tu? Bon, je viens d'avoir ma cake bee. Cake B, voilà. On va les récupérer eux autres. Elles ont besoin de travailler. Toi ici et toi là. Voilà. Au stockage. On va se faire notre bloc de canne à sucre. Et avec ça, on va pouvoir mettre notre abeille à travailler. Sugar cane. Bloc. Et voilà. Bon, on s'entend, un gâteau, c'est sucré. Je peux comprendre la logique derrière. Je peux comprendre la logique derrière de mettre... Non, c'est juste que j'ai de l'alcool dans le nez et que... Plus j'ai d'alcool dans le nez, moins je parle bien. C'est normal. C'est que moi, quand je live, j'ai toujours un petit verre de fort pas loin et je le sirote durant mon live. Mon live, je fais ça pour me relaxer parce que j'aime ça live. Et surtout que quand j'ai une journée de travail, ça mérite toujours un rafraîchissement. Ok, bon, avec tout ça, il va nous falloir des chests. Il va nous falloir un double chest et il va nous falloir utilité du chest. Il nous faut pour qu'on passe. On va se faire un drawer. Ben après, stop. On va le faire dans l'ordre. J'ai besoin dans l'ordre d'un chest assez haut niveau. Ici, le copper chest, il nous faut un copper chest. Avec l'utilité du copper chest, il nous faut ça ici. Lui, l'iron chest, il nous faut le silver chest. Une fois le silver, ça nous donne le gold chest. Une fois le gold, ça nous donne le diamond chest. Et une fois le diamond, ça nous donne l'obsidian chest. Voilà. On va mettre Obsidian Chest, qui est beaucoup plus large niveau place qu'un chest standard. Mais je pense qu'on va mettre un chest standard, devrait suffire amplement. Pour mon rat qui travaille tranquille, on va l'espacer de 1 au moins. Et on va se récupérer plein de fromage. On va enlever ça ici, on va enlever ça là, et on va... enlever ça. Oh boy. Ah ouais. Récupérer, merci. Et on peut récupérer plein de fromage. Beaucoup de fromage. Plus de fromage, plein de fromage.
Toujours plus de fromage. Pour notre petit rat. Et voilà, on commence à aller d'une traite. Un autre petit bloc. Peut-être deux shots encore, puis on devrait être pas pire, ça devrait être pas mal plein. Ouais. On va le remplir comme il faut. Comme ça. Et l'excédent va retourner dans le chest. On va avoir la paix. Comme ça. Ça et tout ça ici. Comme ça. Ah, ça est paix. Puis je peux récupérer. Je vais récupérer ça ici. J'ai besoin de mon dink. Avec ça ici. Et on va pouvoir boucher le plafond. Voilà. On drop ça. Ici, comme ça, reviens là, et voilà. Bon, maintenant je ne me souviens pas de comment le common staff pour les rats. Ah oui, c'est vrai, je ne pense à quoi moi là, je rate d'oublier un morceau important. J'ai mis mon abeille à travailler, mais j'ai pas récupéré encore le honeycomb en vrai. Il est ici. Et voilà, ça a eu le temps de pas mal saturer. Et on va faire un petit peu de jogging. Mais j'ai pas mon jetpack sur moi. On va récupérer le jetpack. On va se mettre à poil. On va se mettre le jetpack. Et on va faire un beau petit plongeon. Voilà. Ah, il me gruge pareil, ça, même s'il est là, bon. Je pensais qu'il me grugeait pas, même si je l'avais enlevé de sur moi. Well, brave. Voilà. J'ai dit aussi que ça faisait un bout, j'avais pas mangé. Wow, bon, c'est vrai. J'ai toi ici. Enlève-toi de là. Bon. Ok. Ah, bon. J'ai pas regardé par exemple l'utilité de ça pour le breeding. Toi, tu m'en donnes ça. J'ai besoin de savoir l'utilité de l'honeycomb. J'ai 50% de chance d'avoir des cakes. Combien j'en ai? Oups, peut-être pas autant que ça, mais 15, c'est pas grave. Je vais avoir peut-être plus qu'il faut de cakes. On regardera combien j'ai de cakes. Vu qu'on a juste 50% de chance, je me dis qu'en vrai, j'ai peut-être la moitié en cake. On va être gentil, j'ai peut-être 7 cakes, il m'en faut 6. Ah non, c'est peut-être la biwax qu'on a à 50%. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà, on a nos 6 cakes. Ok, bon. Ça, on l'a. Ça, on peut enlever. Ça, j'ai besoin du centre. Du rat upgrade. Qui se fait avec du cheese. Ça coûte bon ben rien. Bon, ça c'est fait. Il nous faut le rat hat. Il nous faut des strings. Les strings se font avec ça. Il m'en faut un. Voici ça. Ici, et maintenant, il me faut ça. Voilà. On va y faire une petite toque aussi. Je trouve que ça va faire bien sur mon petit rat. Sur mon petit rat, on va faire... C'était le seul que je pouvais faire? Non, pas vrai. Je peux? Merci. Voilà. On va y faire une autre petite toque pour mon rat.
Il va être beau comme ça. Il va être super beau comme ça. Je vais prendre toi. On va t'enlever ça. On va te mettre ça. Et on va te mettre ça. Ça, on va mettre ça ici. Les lava buckets. C'est bien gentil, mais. Je savais pas que j'en avais deux dans l'inventaire. Ça et ça. Ça, ça. Ok, bon. Avec tout ça, j'ai besoin de rats. Bon, ça, on l'a. Ça, il m'en redonne un autre. Ça, je m'en fous. Je veux ça. Et je veux ça ici. C'est comment ça fonctionne? C'est la cheese staff. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le cheese staff qu'il me faut. Ok. On va prendre toi. Is now bound by the rats. Take item from chest. Et deposit item in obsidian chest. Et voilà. Et là, si je viens ici, je fais hunt animal gator item harvest transport item hunt monster gator item. Ah ouais. Bon. Take item from chest et deposit item from chest. Comment vas-tu, mon homme? Ça va bien, moi. Moi, ça va bien. Ok, ça, à moins que c'est transport item. Transport item, voilà! Je vais prendre le bon item, le bon mode. Et voilà, il nous fait nos strings, nos cheese strings en automatique. Et il nous dépose ça là-dedans. On peut le manger, ça se mange. Ah, miam, 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 miam. Maintenant, on va pouvoir y faire la meilleure bouffe du jeu. Ça me donne du cheese. La meilleure bouffe du jeu, elle est où? Elle est ici. Elle est ici. C'est ça ici. C'est la meilleure pâte de bouffe du jeu. Ça se fait avec un assortiment de légumes. Et nous donne une bouffe qui donne 50 gigots. C'est genre... awesome la quantité de bouffe qu'il nous donne. Je viens de m'acheter pour 150 pièces de jeu en trilogie d'Assassin's Creed avec tous les DLC. J'en connais un qui va se mettre une quantité qui va poster une quantité d'achievements en cours de réalisation sur Facebook prochainement. Rat upgrade, si on peut déposer. Origin, Odyssey, Valhalla, ouais. Il y a du stock. Bon,
Avec tout ça, une fois qu'on a un stack, on va pouvoir se faire. Ben en vrai, je vais attendre d'avoir deux stacks. On va attendre d'avoir deux stacks. Ce que je vais attendre, c'est de pouvoir faire des. Oh boy, 270 gigs. Il était craqué, mon homme. Moi, 270 gigs de jeu. C'est ce que j'allais dire. T'as busté ton disque dur. T'as m'étonne pas que tu l'aies busté, là. Il est mort! Il est mouru, mon verre! Il est mouru! Il va me falloir une autre liqueur. Bon, je vais me chercher une liqueur, je reviens! Eh bien, justement, c'était ça la question que j'allais te poser en revenant de prendre ma liqueur. Je tiens à te préciser que c'est un nouveau module que vous allez commencer. Vous allez garder les mêmes personnages. Il faut comprendre au fur et à mesure que l'univers de Donjon, c'est pas qu'un seul module, c'est plein de modules différents que vous allez faire. Je dirais pas nécessairement vous changer de module, mais. Vous allez commencer une nouvelle aventure. Là, ce qui est arrivé, quand t'as commencé à jouer, ils étaient en fin de module. T'es arrivé à la fin. Fait que là, tu vas assister à comment évolue l'histoire depuis le début et comment ça évolue, et etc. Là, tu vas voir depuis le début. Bon, ça, on récupère ça et on va pouvoir se faire un petit mana string. Oups, j'ai pensé tout doit être. Voilà. Ça nous a fait un petit peu, ça nous a fait 63 jours pour faire exprès. Mais c'est ça, c'est comme je te dis, c'est tu vas voir. Il y a un module que j'ai envie de faire. C'est pas lui que vous allez faire, ok? C'est l'information que moi je te donne. Il y a un module que je veux faire. J'ai. Claude qui était présent la dernière fois, il a déjà vu l'item. Dans le module, dans le fond, ils introduisent un item qui est ultra pété. Ultra puissant, genre, c'est un item. Qui fait grosso modo à peu près tout ce que tu lui demandes. Il va te soigner, il va. C'est genre l'item de soins ultime, si je me trompe pas, là. Mais comme il me l'a dit, cet item débalance complètement un donjon. Parce que ça rend les problèmes liés aux monstres beaucoup moins dangereux. Exemple, il y a des monstres. Qui te donne des maladies incurables, ben là, tu le sais qu'avec ça, avec cet item-là, t'auras pas ce problème-là. Tu l'as, tu sais qu'il va guérir ta maladie, il est fait pour ça. Il guérit tout. Mais dans mon univers, je trouve que ça débalance pas parce que mon univers est. Je veux pas être méchant, mais mon univers, je le trouve rough. Moi, ça suit mon fil de pensée. Si je trouve que le module est trop simple, je vais le complexifier. C'est pas compliqué, je vais le complexifier à un niveau genre plus complexe. Exemple, un module qui était fait pour des niveaux débutants, que t'as pas connu. C'est un module que ma blonde a connu, est arrivé après ce moment-là. Le personnage que Claude incarnait dans mon donjon était au même niveau que les autres, mais il était pété. Il était ultra cheaté. Il avait toutes ses compétences au maximum
comparativement à un groupe, il débalançait complètement ma game, pour être honnête. Mais, en vrai, j'ai décidé que j'allais juste rajouter des monstres. Pas plus compliqué que ça, là. J'ai juste doublé la quantité de monstres qu'il y avait dans tout le donjon. Tant qu'il était là, c'est tout. Dans le module, exemple, il me disait qu'il y avait 10 orques. Ben, je passais à 20. Ou changer les types de monstres pour des monstres un peu plus puissants. Agility. On grimpe. On peut grimper au bambou. Je pouvais grimper au bambou. À cause de du banana bread. Mais c'est ça. Moi, je me casse pas la tête avec mes donjons. Quand je fais quelque chose, c'est pour balancer mon donjon. Et je trouve que mon univers se prête parfaitement bien à l'item qui veut pas que j'introduise. Mais en voulant. C'est ça. Moi, j'aime ça mettre des mini-boss, genre des checks. Des moments où est-ce que des joueurs lambda vont rusher un peu plus. C'est à la fin de chaque module. Tu peux considérer qu'à la fin de chaque module, c'est un mini-boss. Mais moi, j'aime mettre des boss, des monstres un peu plus puissants dépendamment de la zone. C'est ça, j'aime rendre le jeu plus difficile. Le but du maître de jeu, c'est de tuer l'équipe. C'est clair, c'est clairement écrit dans le livre du maître de jeu, c'est tuer le groupe. Mais en vous donnant une chance. Je vous donne toujours une chance. Exemple, si vous tombez face nez à nez avec un dragon et vous êtes niveau... On va prendre le niveau que vous êtes actuellement. Vous êtes à peu près niveau 5-6 pour la plupart. Toi, t'es niveau 1. Ben, un groupe de niveau 5-6 s'attaquera pas à un dragon. Si je peux vous mettre un dragon demain dans la prochaine game. Vous pouvez commencer à rencontrer un dragon. Je peux commencer comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de l'affronter. Dépendamment de comment vous allez discuter avec lui, vous allez interagir. Ça va évoluer. Vous allez pouvoir soit vous en sortir, soit il va vous laisser partir, soit un combat va s'enclencher. Mais un combat dans le cas d'un dragon, il vous tue. C'est pas compliqué. Un groupe de niveau 5 contre un dragon, c'est mort. C'est mort. Contre un groupe de niveau 10, la majorité est niveau 10, le combat est un peu plus balancé. Je dis ça, je dis rien. Parce que moi, j'ai déjà mis dans un de mes donjons, parce pour balancer, mon groupe, je tiens à préciser, dans ce donjon-là, mon groupe refusait d'aller dans la bonne direction. Il disait que si on passait cette étape-là, pour continuer, dans le fond, il y avait juste un chemin pour aller. Là. Il fallait qu'il traverse une porte. C'est pas compliqué, là. Il y avait plein de monstres de l'autre côté, là. J'avais balancé pour que le personnage de Claude, qui était over-cheaté, ait de la misère dans ce coin-là. Mais le Claude et le party où est-ce qu'il était, ils ont fait le ménage. Il restait presque plus rien. Mais quand c'est arrivé... Pour repasser la porte, le seul survivant du groupe a dit « On va pas là, on va crever si on va là. » Fait que tout le monde a eu peur, tout le monde a décidé de « On va pas là. » Fait qu'en n'allant pas là, il continuait pas le donjon. J'ai été obligé de m'adapter. Les dragons... Dragon's Dogma, il faut être genre niveau 80 pour battre un dragon. Les dragons sont cheatés. En vrai, dans Donjons et Dragons, si tu rencontres un dragon, t'as plus de chances de crever que de le battre. Il y a des dragons qui sont... Dépendamment du type de dragon, parce qu'il y a plusieurs types de dragons dans Donjons et Dragons. Les dragons métalliques, ton chien est mort. Un dragon métallique, à part le bronze, le dragon de bronze qui est gérable à partir d'un certain niveau, les autres, ton chien est mort. T'oublies le projet. Même si tu étais niveau 20, le niveau maximum autorisé par le jeu par défaut, ton chien est mort. T'as peu de chances de t'en sortir vivant. À moins que tes magiciens ont tout leur sort, vous avez beaucoup de potions de soins, vous avez. Et que les 3-4 premiers rounds se passent bien. C'est-à-dire que tout le monde est sauvegardé au blast. Au premier tir du dragon. Si tout le monde est sauvegardé au premier tir du dragon, vos chances de survie augmentent.
Mais si la, on va dire la moitié du groupe, la majorité a réussi, vous en sortez. Vous allez vous en sortir relativement bien. Mais si c'est une minorité qui a réussi, votre chien est mort. À partir de là, votre chien est mort. La majorité a perdu la moitié de ses points de vie en commençant et le dragon fait à peu près... Je tiens à préciser, dépendamment de l'âge du dragon, l'arme spéciale pour tuer les dragons, c'est l'arme que Geneviève utilise. C'est les armes à deux mains. Parce que les armes à deux mains, les épées à deux mains, dans le fond, font plus de dommages sur des créatures beaucoup plus puissantes, beaucoup plus grosses. Et un dragon, je te le donne en mille, c'est beaucoup plus gros que vous. Mais il y a des armes aussi qui sont donnent des bonus supplémentaires si tu t'attaques à un dragon, mais relativement sont assez rares. Et généralement, si tu veux mon avis, c'est un dragon qui va l'avoir dans son trésor. C'est exemple, il y a une épée plus 5 contre les dragons rouges. Ben, il y a de fortes chances que le dragon rouge l'a dans son trésor. Et pour avoir l'épée, ben, il faut que vous le butez. À moins que quelqu'un dise « chaud dans le tas de pièces d'or, puis je cherche une épée pendant que le combat est en train d'avoir lieu en arrière. » Je trouve que c'est pas très logique. Et le blast du dragon, moi j'ai un pot, tu m'as vu niaiser avec ça là, au dernier donjon. J'ai un petit pot de D6. Il y a une soixantaine de D6 dedans. Ça, c'est la moyenne de dés. Prends-en la moitié, à peu près. Prends-en une trentaine que j'ai besoin pour le blast du dragon. C'est 30 D6 de dommages minimum, je pense. Je pense que s'il fait un blast, fais la moyenne 30 à peu près. T'as à peu près 15 points de dommages. Dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, il ne fait que 30 points de dommage. Ça veut dire que j'ai roulé que des 1. Si vous êtes sauvegardé, vous avez la moitié des points de dommage. Ce qui veut dire 15 points. Mais dans le pire des mondes, j'ai 30 fois 6 de dommage. Divise par 2 si vous êtes sauvegardé. Fait que les chances de survie sont très faibles. Puis un dragon à 30 des 6 de dommages va one-shot le groupe. Il y a beaucoup de créatures qui sont des fin de game de donjon. Dragon, c'est un boss de donjon. Une liche, c'est un boss de donjon. C'est des monstres tellement pétés que peu importe le niveau du groupe, il vous fait la passe. Donc, c'est sûr que si tu cherches une arme spécialisée pour les dragons, t'es mieux de commencer par te faire du haste, du strength, et d'être full hit point. Avec tout ça en commençant, t'as beaucoup plus de chances de t'en sortir contre un dragon. Mais si je dois DMer un dragon, vous avez presque pas de chance de survie. Honnêtement, là, même Claude qui le ferait, là, vos chances de survie sont minuscules, sont ridicules. Même chose pour une liche, pour un Dark Knight, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Un titan, même chose pour un titan, vos chances de survie contre un titan sont ridicules. Il y a beaucoup de monstres dans Donjons et Dragons qui sont là juste pour faire le ménage du party, du team. Mais je suis pas salaud, je vous donne pas ce genre de créature à tout va puis à tout moment. Vous allez voir, tu vas voir au fur et à mesure que vous allez avancer dans le donjon, tu vas te rendre compte qu'il y a des créatures qu'au début t'avais de la misère, vont être de plus en plus faciles à tuer. C'est que là, vu que t'es niveau 1, c'est beaucoup plus difficile pour toi de tuer des monstres. Mais pour le groupe, qui est en majorité des niveaux 5, t'as beaucoup plus de chances de survivre. Parce que eux autres ont des items qui vont healer. Ils vont te healer si jamais il y a des problèmes. Au moins, le groupe est relativement good. En vrai, en passant, j'ai oublié de te dire, t'as le droit de jouer méchant en passant.
J'oublie de te le dire, Max, t'as le droit de jouer méchant. Si t'as envie de jouer méchant, tu joues méchant. C'est... Je t'impose pas une manière de jouer. Si tu veux jouer méchant, tu peux. Mais si tu veux jouer gentil ou... si j'ai de l'intérêt dedans, ça me va. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est... Dark Souls est inspiré de Donjons et Dragons. Du fait que Donjons et Dragons est difficile, les monstres de Donjons et Dragons sont là pour vous tuer. Ils vous attendent pas patiemment dans une caverne comme si de rien n'était. Non, ils vont continuer de s'armer, ils vont continuer d'avancer eux autres. Eux autres vous attendent pas. Mais comme pratiquement à Dark Souls, si tu meurs dans Donjons et Dragons, t'as 90% de chance que ton bonhomme ne revienne pas. T'as 90% de chance, le 10% de chance que je donne, ça dépend du niveau du prêtre, du groupe ou des items que le groupe possède. Si le groupe ne possède pas un Resurrection ou un item pour ressusciter quelqu'un ou accès à une église rapidement, ton bonhomme est mort, tu recommences. Au niveau 1. Ben, je dis niveau 1. Je suis pas un chien. Je lance un dé, je donne l'option de soit tu recommences à zéro ou tu commences un des 4 niveaux plus bas que le groupe. C'est-à-dire que je roule un des 4 puis le chiffre que ça me donne, c'est le nombre de niveaux que tu es en dessous du plus bas niveau du groupe. Fait que tu peux être ramassé, exemple, c'est le plus bas du groupe. C'est un niveau 4. Tu peux te ramasser à autant jouer à un niveau 1 que jouer à un niveau 3. C'est aussi simple que ça. Mais je commence à rentrer dans les détails, là, ça risque de te perdre un peu. Mais grosso modo, c'est les chances de rejouer un bonhomme sont assez faibles. Si ton bonhomme est mort, tu peux dire que tu recommences un bonhomme en eux. Prends pour acquis que ton bonhomme est mort. C'est pour ça qu'il y a eu une controverse autour de Donjons et Dragons à un moment donné. C'est qu'il y a du monde qui jouait à un bonhomme depuis des années. Parce qu'une game de Donjons et Dragons, tu vas te rendre compte que ça avance pas nécessairement vite. Parce qu'on a beau dire qu'on va se faire une game à tous les deux semaines, on s'y tient pas. Puis tu vas le voir, moi là actuellement, je suis en mode « je veux mes games aux deux semaines ». Moi, j'aime mes games aux deux semaines. Mais si jamais quelqu'un me dit je peux pas en fin de semaine, on fait pas ça la semaine d'après. On fait ça dans deux semaines supplémentaires. On fait ça un autre cycle de deux semaines. Fait qu'on peut se ramasser à ne pas jouer pendant 1, 2, 3 mois. Comme là, le temps des fêtes approche. Je le sais que quand on va rentrer au mois de décembre, je vais pouvoir le plus tard caler une game la semaine du 20. Dans la semaine du 20 à la première semaine de janvier, personne n'est disponible. Je prends pour acquis que personne n'est disponible dans cette période-là. Je pourrais en caler une, mais tout le monde a de la famille chez eux, il y a des soupers, il y a des parties. Je prends pour acquis que personne ne peut jouer. Bon, niveau stream, il m'en manque 18. Ah là! Attaque le chat! Mais c'est comme je dis, autant tu peux avoir de la chance et avoir un bonhomme overcheaté, comme autant tu peux te ramasser à crever en boucle. C'est mon cas. La première game que j'ai joué, j'ai roulé 6 bonhommes. On a joué quoi? 6 heures, j'ai joué 6 bonhommes différents. J'ai rejoué 6 bonhommes différents et ils mouraient tous en boucle. J'ai jamais réussi à avoir un bonhomme qui tienne plus d'une heure. À part le dernier bonhomme qui a tenu plus d'une heure, puis on a fini par le mettre à la retraite. De... Ah, c'est bien.
Moi, quand je joue à un jeu vidéo, un RPG, je suis toujours deux faces. Quand un NPC est gentil, je suis gentil. Avec un, si un NPC me fait. Je peux mettre un mot qui commence par. Ouais, je comprends, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Du chat, mais je lui rends l'appareil. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu joues, dans le fond, tu joues la même classe habituelle que je joue quand je joue guerrier. C'est ce qu'on appelle un chaotic good. Tu joues pour. Si tu me fais. Si tu me fais. Moi, je vais le dire. Je peux le dire hein, dans le live. Si tu me fais chier, je vais te faire chier. Mais si t'es, si t'es good avec moi, moi être good avec toi. C'est aussi simple que ça. Moi, mon personnage, quand je joue, j'ai aucune honte à piller une tombe. Il est mort. À quoi ça va lui servir? Il est mort! Si les items qu'il y a dedans, c'est des items de quest, j'ai pas de honte à le faire, à le ramasser. C'est un item qui peut nous être utile. Hey! Mais le paladin intérieur en moi t'a dit pas gentil, pas cool. Ton paladin, tu peux le mettre. J'ai joué trop de paladins pour que je le fasse par habitude. J'ai joué beaucoup de paladins. La classe qui fait suer, qui fait chier les paladins. Tu peux rien faire. Et mon paladin il touche. Ouais, il touche. Il a fait des affaires avec son personnage intestin. C'est ça. C'est exactement ça. Si un brigand t'attaque, il te demande de. T'essaies de t'extorquer de l'argent, tu lui dis pas ok, c'est bon, prends mon argent. Ah non, non, écoute, tu veux mon argent, tu vas le gagner. On se bat, puis si tu gagnes, tu vas pas le ramasser parce que là, il va être mort. Mais si tu me bats pas, je vais garder mon argent. Puis en plus, moi, t'as le ramassé ton argent en plus. Parce que tu vas être mort. Man. Deux beaux belles petites pages là qui m'ont. C'est le sacrifice. Merci, Guy. En plus, c'est rédigé spécial. Ah, oh, regarde. Mais c'est ça. Fait que c'est comme je dis, il y a beaucoup de monstres. Il y a beaucoup de monstres que j'ai jamais touchés. Je vais revenir sur le point des monstres que je disais tantôt. Il y a beaucoup de monstres que j'ai pas encore touchés. Que je sais que si je vous mets en combat, vous allez vous faire torcher. Non, ça j'en ai déjà DMé. Et oui, ça torche. Une liche, oui. Ouais. Je n'ai jamais fait en combat. Aucun groupe s'est affronté de liche. Mais. N'importe quel groupe ne pourra jamais affronter. Parce qu'une liche. C'est quoi ça, une liche? Une liche, je vais te donner le minimum d'informations que tu as besoin de savoir. Parce que. Savoir l'information, c'est une chose. Et le savoir en game, c'est une autre chose. Il faut apprendre à distinguer une information que tu connais IRL puis une information que tu connais in-game. Ton personnage. Parce que ton personnage ne le sait pas nécessairement. Ouais, non, écoute, la game. Écoute, tu comprends pas. J'ai pas retouché à Valheim depuis, là. J'ai pas retouché, là. J'ai toujours pas retouché, là. Je vais y retoucher peut-être demain, puis c'est un gros peut-être. Allez, chouette. Vas-y. Ça se peut que j'y retouche plus, là, que j'arrête Valheim là, juste à cause de ce qui s'est passé. Là. Que je vais récupérer mon stuff, puis c'est tout. Là. Je vais récupérer mon stuff, puis mon dracar, puis j'en tourne plus. Là. Ah, écoute, c'est heavy, là. Bon, moi j'ai besoin de j'ai besoin de Binding Processor et il me faut l'item du centre qui se fait comme ceci. Et j'ai pas de green. Il va me falloir du green. Ok. Du green dye. C'est l'autre ici. Ouais, non, c'est. Écoute, même quand tu clean une zone une première fois,
10 minutes après, elles sont toutes là encore. Je suis comme, ouais, mais c'est... Écoute, au moins si je quittais la zone, les mobs disparaissaient. Un peu comme Minecraft. Quand Minecraft, tu meurs, t'as 5 minutes pour récupérer ton stuff si la zone est chargée. Si la zone n'est pas chargée, tous les mobs dispawnent, ton stuff reste là, et il peut rester là ad vitam aeternam. Jusqu'à ce que tu recharges la zone. Une fois que la zone est rechargée, même si juste une fraction de seconde, le timer reclenche. Il repart le 5 minutes. Jusqu'à ce que tu récupères ton stock. Mais les mobs ne sont plus là. Parce qu'ils ont despawné. S'ils feraient le même principe dans Valheim, tu quittes la zone, ils despawnent. J'aurais pu récupérer mon stuff toutes les fois. Mais comme c'est des salauds, chez Iron Gate, c'est des salauds, je peux pas le récupérer. Pas vraiment fru, c'est juste, je fais une constatation. Oui, j'ai commencé tard parce que fallait que je soupe. Ah, mais c'est vrai. Avant, j'aurais tiré mon groupe, non. Dans Skyrim, tu clean un donjon, je pense que 200 heures de jeu pour que tout respawn. Ouais, c'est ça. C'est Valheim. J'aurais bien aimé qu'ils reprennent un peu le principe de Skyrim sur ce point-là, mais pas nécessairement 200 heures. Juste exemple, 10 minutes, 20 minutes pour que les mobs respawnent. Mais là, c'est tu tues les mobs, la nuit arrive au bout de 5 minutes à peu près, ou quelque chose dans ce style-là. Dès que la nuit arrive, les mobs respawnent à gogo. Puis, à tous les nuits, que tous les cycles jour-nuit qui arrivent, à tous les nuits qui arrivent, ils respawnent par-dessus l'existant jusqu'à ce qu'ils aient atteint le mob cap. Fait que tu peux te ramasser avec 60 squelettes dans la même zone. Ça a pas de logique. Bon, en tout cas, c'était le pétage de coche sur ça dans la soirée. Mais bon, il y a d'autres avantages ce jeu-là. En vrai, il est quand même très bien. Valheim, oui. Il est relativement bien, mais j'aurais aimé que ce point-là aurait été corrigé, ça aurait été beaucoup mieux. Ça, tac, on descend, on monte ça, on descend ça ici. On récupère ça et on recommence. Oui, j'ai une question. Vas-y, j'écoute. Si en fait, je suis pas, en fait, tu vois, un médecin me demande si t'es allergique à de la médication. Que tu dis que t'es allergique à la vie? Je suis. Aux dernières nouvelles, j'étais allergique au pyraxin et à l'amoxyl. Je sais pas si je le suis encore. C'est une réaction allergique quand j'étais petit. Fait que je sais pas si je le suis encore. Si quand t'étais petit, genre. Okay, j'avais 6-7 ans, là. 6-7 ans, là. Je sais pas si je le suis encore, mais je dis toujours que je le suis, je veux pas prendre de guess. Bon. Faut aussi... Mais aussi Skyrim, il y a des donjons à... Et du donjon, le temps passe vite quand t'explores, puis aussi t'as la fonction que tu peux attendre pour faire passer la journée, c'est ça. Valheim, y a pas cette option là. Tu peux pas genre dire bon ben je vais rien faire aujourd'hui, je vais passer le temps. C'est beaucoup de choses qui dans certains jeux sont logiques mais qui ne sont pas dedans. Toc, on récupère plein de colorants verts. Puis ça, touc, voilà, tout récupéré. Ça doit monter en mort, ça paraît. Je sais pas, probablement. Voilà, ça nous fait deux stacks.
on dépose ici un verre. On en garde, je garde toujours un pétale. Mais pourquoi t'as autant besoin des pétales en verre? Pour commencer, les éléments de base de ce qui va être notre système de stockage. Est-ce qu'il y a des nouveaux verres? Il y en avait tantôt. C'est parti, tu me les as pas laissés. Je peux pas les capturer, si je les ramasse, ils sont à moi. Mais pourquoi à chaque fois qu'il y en a, je suis pas là? Qu'est-ce que je te dis? Oh chier! Ah! J'ai plus de place dans l'inventaire. J'ai plus de place dans le chest. Oh gosh. Ça. Il va me falloir mortar. Un mortar. Ici. Et voilà, ici, comme ça. T'as oublié de pas prendre. Quoi? Ok. Comme ça, c'était beau. Puis ça, on peut. Je peux pas les poser. Bah. Comme ça. Oh! Les conversations étaient juste ça. Ah, j'ai plus de gold nugget. On va se ramasser. Ah, pas nécessairement pour l'instant, je te dirais. Quand tu pas. Mais non, ça vaut pas la peine. Je vais corriger ce que je voulais dire, là. Ça vaut pas la peine. Je vais rien dire. Ah! Voilà. Premièrement, j'ai tout écouté tes vidéos de Valin. On se voit que c'est pas un jeu qui se joue tout seul. Le jeu est trop dur tout seul. Ouais, j'avoue, c'est un jeu qui se joue vraiment à plusieurs. Quand j'ai joué avec Sébastien, c'était beaucoup plus simple. Mais ça restait quand même difficile parce qu'on ne se suivait pas nécessairement. C'est un jeu qui demande beaucoup de farming. Et c'est, ça paraît. C'est un jeu qui demande beaucoup de farming, beaucoup de temps pour y arriver. C'est ça. Si tu fais la moindre erreur dans Valheim, c'est fatal. C'est une erreur qui est fatale. Dans Valheim, là, si tu fais la moindre erreur, ça t'est fatal. Bon, ça, on dépose. Voilà, ça, on peut enlever. Comme ça, ici, et... On transforme tout ça en lingots. Bon, je peux déposer mon collant en verre. Merci. Oups, j'ai déposé mes torches. Je voulais garder mes torches. Une torche. Donne-moi mes torches. Voilà. Et on peut vider ça. Bon. Ensuite, il me faut ça pour se faire ça. Il me faut ça. Donne-moi. Ça se stack pas. Ça se stack pas. C'est donc bien innocent. Bon, avec ça. Utilité. Ça. J'en veux plus. Il va falloir beaucoup plus. T'as un peu, je vais autoriser parce que c'est pas l'affaire là-dedans. Bon. Aussi, il faut être synchro. Si tu joues en gang pis y en a qui ont le... Il fait le fou, ça sert à rien. C'est ça. C'est exactement ça. C'est même si tu dis que tu veux jouer à plusieurs, comme tu dis, y en a qui sont pas nécessairement... Ils suivront pas le mood. On va dire ça comme ça, là. Ils suivront pas la logique. Bon, ici, j'ai besoin de tout ça. On va mettre ça comme ça. Oups, c'est pas ça ici que je veux. Stop! Je me fais de mon sac pareil, le petit abouaire. Bon. Ben, on va en avoir pas mal de ça. Il m'en faut rien qu'un. Il faut rien qu'un contrôleur. Bon. Ça, c'est fait. Ça, on a ce qu'il nous faut pour ça ici.
les Advanced Processor, ça on pourrait les mettre à cuire. Advanced Processor, ici. Cuit. Bon, pour la suite, il nous faut... On a ici, c'est déjà fait. Pour ça, ici. Il nous faut des Improved Processor. Et il nous faut des Destruction Core. OK. Destruction Core, c'est des basiques processeurs qui se font comme ça. Avec du quartz. Et ça, c'est probablement la même chose avec du gold. OK, c'est la même chose que lui avec du gold. Il me faut ça, ça on peut enlever. Et ça, on garde. Bon, ça, il va me falloir encore des binding processing. J'en ai plus. Parce que t'as moins que j'ai été, je n'ai pas trop. Il me faut le centre. Merci, donne-moi le centre. Il me faut ça. J'ai plus de green, malheureusement. Il va falloir que je reforme du vert. Est-ce que je forme ça comme ça? Ça se fait sur du sable. Je suis pas sûr que ça va fonctionner, mais bon, on va essayer. Ça, je vais enlever ça. Ça, on enlève ça. On va ramasser ça ici. Là. Je vais enlever mon miniaturisation. Là. Tu pourras voir ça fait quoi la miniaturisation en début de live si tu écoutes la rediff. C'est vraiment nice à regarder. Je montre ça à ma blonde après. Là, on va faire je sais pas de fuck, c'est donc bien nice. Comme dans un combat de boss, si tu bats le boss à 4, puis il y en a deux qui s'occupent de ramasser les ressources, exemple, mais vous êtes plus 4, mais deux en train de battre le boss en plein combat, c'est pas le temps de ramasser. C'est ça. C'est ça. C'est le genre de choses-là qui sont pas agréables quand tu joues à multi. Parce que tu te dis, il y en a toujours qui vont se dire, me, myself, and I, je ramasse les ressources pour moi et mon gros cul. Les autres mangeront bien de la scrap. Ce qui est malheureux. Si le boss est difficile, c'est pas le temps de s'occuper de ses grosses fesses et de dire c'est mes fesses qui sont plus importantes que les tiennes. Je te laisse pas les ressources. Ce qui est relatif, qui est vraiment malheureux. Je peux comprendre que quand vous êtes, on est dans un combat puis il y a 50 personnes qui se battent puis et que les ressources sont pas splittées à la fin. Je peux comprendre que tu ramasses ta part du gâteau avant, mais est-ce que c'est quelque chose que j'encourage? Non, clairement pas. Bone meal, on va accélérer le process. Non, ça marche pas. Je pensais que ça pouvait marcher, mais non. Bon, c'est pas grave. Ça, j'aurais su, ça aurait fonctionné vu que j'ai un effet de Bone Miller autour de moi là. Ça, j'ai mangé. J'ai besoin de ça ici que j'ai pas mangé. Bon. Bon, pour ce qui est, je vais regarder ça ici. Ça, c'est du désert trop haut. Il va falloir que j'aille dans le désert là-bas. Il va falloir mon jetpack. Oui! Mais d'habitude, dans les exemples, je vais prendre l'exemple de Warcraft. Ben, quand tu joues dans Warcraft, les ressources sont généralement faites pour plusieurs. Il y en a en masse pour tout le monde. Les ressources pour tout le monde. Si je me trompe pas, là, parce que j'ai joué à Warcraft pas trop souvent dans ma vie, mais dans mon souvenir, les ressources... chacun a sa part du gâteau. Jouer à Elder Scrolls Online, puis le jeu est vraiment fait pour jouer en groupe. Pas deux ennemis normaux tout seul, ça a un peu la limite que je peux faire. Trois ennemis là, c'est mort. Ok, ouais, non, je comprends. Si le jeu était optimisé pour le multi,
Puis là, tu te ramasses à te battre contre un groupe d'ennemis tout seul. Alors que c'est clairement optimisé pour le plusieurs, ben c'est pas logique là. T'es normalement supposé jouer à plusieurs. T'es supposé battre le boss à plusieurs. Fait que c'est sûr que si tu te ramasses seul à le fight, ben c'est sûr que tu vas avoir de la misère. C'est logique que t'as de la misère à le battre. Bon. Petit donjon, je peux ramasser du cactus. Petit désert. On ramasse ça. Et on continue. On va ramasser. Oh, je n'ai oublié un. C'est pas grave, mais on va le ramasser pareil. C'est ridicule de ramasser du cactus. On peut dire que c'est ridicule, mais ça me permet de faire du colorant vert pour rien. Ça me permet de farmer le colorant vert sans rien dépenser. Parce que les fleurs, c'est le fun, mais c'est long à farmer. Voilà, on va ramasser encore une coupe. Voilà. Je pense qu'avec ça, avec 27, j'aurais peut-être pas pire. Puis là, j'ai besoin de récupérer ma Warpstone et on y va. Base. Bon, ici. Et on remonte ici et on... Oh boy. On va retirer mon jetpack qui est ultra pété. Là, ce que je fais, ça va me permettre de farmer beaucoup de cactus. Parce que j'arrive aux 2 heures de prévu habituel. Et on va pouvoir arrêter ça là à 2 heures là, parce que... J'ai ma journée dans le corps, puis je veux mettre. Aller me reposer. Surtout que j'ai beaucoup de lectures à faire pour dimanche. Parce que, mine de rien, c'est beaucoup de lectures un donjon. Ça paraît pas, là, c'est beaucoup de lectures. Oh, j'ai oublié un site. Il y a des jeux online qui est facile à jouer tout seul, puis il y a des jeux qui sont vraiment faits pour jouer en groupe, comme Elder Scrolls Online. Si un jeu qui est logique, parce que le jeu online, ça le dit, c'est un jeu qui est fait pour pas jouer tout seul. C'est le cas. Exemple, je prendrais l'exemple. Je vais prendre l'exemple de Minecraft, c'est très logique, c'est très recherché, on va dire. Minecraft, tu peux jouer facilement tout seul. Mais si tu cherches à jouer en modé, exemple sur certains modes qui sont faits pour l'online, tu vas en rusher tout seul. T'es théoriquement même pas capable de battre un mob tout seul. Bon, avec tout ça, ça va pousser très très bien. On va laisser pousser notre tous nos cactus. On va monter en haut, je vais regarder ici. L'Ethergast. On est à 72 buckets d'Ethergast. Ce qui est vraiment très très bien. On va laisser remplir. Il est pas prêt de se sauver lui. Notre Wither, il est pas prêt de se sauver. Et niveau énergie. Hey, on va l'enlever parce que je crois pas rentrer dedans. Voilà. Niveau énergie. Ça suit amplement. Donc, en vrai, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Bon. Ça, on va laisser ça pousser tranquillement. On va déposer notre sable. Ça, on peut récupérer. Advanced Processing. Orange. Le charbon que j'ai là. T'as pu, j'ai envie d'un stack de charbon. Pour le mettre ici. Allez,
On va déposer la Shears aussi, que j'ai ici. Plus de place. Ça, ça rentre, ça, ça rentre. Ça, ça rentre pas, ça, ça rentre. Je fais un peu de ménage parce que mon inventaire est plein. Comme Destiny, c'est un jeu online, il y a des boss qui sont quand même difficiles à battre. Mais le jeu reste jouable en solo. Ouais, c'est ça. Il y a des jeux qui sont comme ça, comme tu viens de le dire. Qui sont jouables tout seul. Ça reste difficile, on s'entend là-dessus. Il est fait pour le multi. Il est difficile. Mais il est pas impossible. Tu peux t'en sortir tout seul. Il y a des jeux que t'oublies le projet. Tu peux clairement oublier le projet, jouer tout seul. T'as beau dire, ah ben je vais essayer. Va manger une somme volée. Attends-toi à manger une maudite volée. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Je dis juste que c'est des jeux comme ça. Bon, basique, il va me falloir des binding processors. Il me faut ça, puis il me faut ça. Ça, il me faut le green. Pour le green dye, on oublie le projet, on peut passer seulement par le cactus. Le green dye se fait avec du cactus paste. Ah, j'en ai du cactus paste, j'ai vu. Cactus paste, ici. Voilà. Fait que ça, ici, on peut en faire 3 de plus. Ça va me faire 3 comme ça. Ouais. On commence à coter de l'argent. Ça va coûter un bras et une jambe, c'est ça? Et à lui, ça va coûter plus de sagesse. Bon. C'est pas possible de faire ça à l'année passée. Yeah. C'est comme la campagne de Call of Duty, tu peux mourir 4-5 fois dans le passage, mais tu finis par passer, il faut juste trouver comment bien passer la mission sans mourir, c'est ça. Ben, il y a des jeux comme ça, tu te dis, ah ben, si j'ai été capable de le faire, je peux le faire. Non, c'est pas nécessairement parce que t'as été capable de le faire que tu vas pouvoir nécessairement être encore capable de le refaire. C'est ça qui est bizarre, c'est un jeu qui est optimisé pour le multi est beaucoup plus compliqué. C'est comme Donjons et Dragons, c'est fait pour jouer à plusieurs. Ça arrive des monstres qui sont difficiles, comme on parlait tantôt des dragons ou des créatures vraiment puissantes. Ça se bat, ça c'est tuable, mais ça demande de la stratégie, ça demande du travail d'équipe, puis tout seul, oublie le projet. À plusieurs, à 5, à 4, 5, vous êtes capable de le faire. Mais tout seul, c'est non. Le chien est mort. Il n'y a aucune manière de le faire tout seul. Probablement, si tu as une embuscade puis tu fais ta poule mouillée, peut-être que là, tu vas être capable de t'en sortir. Mais j'ai jamais vu quelqu'un réussir à piéger un dragon. J'ai jamais vu ça. Un autre dragon. Non. Je pense pas. Bon, ça on peut déposer. Non, je suis seulement là depuis cette là. Comment ça? Un café pour après-midi. Tu l'as oublié? Ah oui. C'est évident. Pareil comme quand tu écoutes un playthrough de Dark Souls, c'est plus facile quand on le pense quand on écoute une vidéo, c'est sûr. C'est sûr que quand t'écoutes une vidéo, ça a l'air super facile. Mais combien de fois le gars ça y a pris pour arriver à le faire one shot? Combien de fois ça y a pris? Ça y a pris beaucoup de tentatives. C'est officiel, ça y a pris énormément de tentatives. Mais ça se fait, ça se fait. Bon, on va refaire ça ici. Et on va refaire ça comme ça pour se refaire un autre.
Et voilà, ça m'a fait 32 de plus. Il va en falloir d'autres. C'est ça. C'est on peut passer des heures à en parler là, mais c'est tout le temps comme ça. Genre un jeu qui est optimisé. On va revenir sur ce point-là. C'est un jeu qui est optimisé pour le multi va rester plus facile en multi. Même si tu te dis ah ben j'ai vu quelqu'un le faire tout seul, mais si le gars a un niveau de malade là-dessus, c'est sûr qu'il va l'avoir facile. C'est un malade. Mais si c'est pas c'est pas quelqu'un qui a de l'habitude, il va la trouver plus rough. Je vais condenser un peu mon stock là, j'ai essayé de gagner un peu de place dans le stockage. Parce qu'on a pas beaucoup de stockage, puis j'ai hâte d'avoir un meilleur stockage. Comme quelqu'un qui joue une toune de... Ah ouais, mais là... Non, mais il y a un gars qui a fait ça en... jouer une toune de Guitar Hero les yeux bandés. Il a été démontré que son bandeau était translucide. Il voyait ce qu'il jouait. Ça reste quand même que ça donne une impression de super malade, mais il avait les yeux bandés. Il avait pas les yeux bandés. Il voyait, on va dire, dépendamment de l'opacité de son bandeau, il voyait entre 75 et 50% de ce qu'il y avait à l'écran. Mais juste voir les formes des notes, tu sais exactement où est-ce qu'elles sont. Tu sais exactement, t'as la guitare dans tes mains, tu sais exactement où est-ce qu'ils sont placés. Si tu vois l'écran, tu sais exactement où aligner ta main. Un petit commentaire. J'ai vu quelqu'un faire une tonneau expert. Il y avait la guitare, comme ça! Il connaissait la tonne par cœur. Ouais, il voyait les notes. Il l'a fait genre 10 milliards de fois. Il voyait les notes. Il voyait une note, mais même. Non, mais même soi de même. Je suis sûr que je donnerais une guitare de Guitar Hero à Max dans les mains. Ouais. Peut-être pas une guitare plus à manette, parce que je pense qu'il était plus habitué aux manettes. Non, il est capable de la jouer dans le dos. Là. Max connaît tout de Fire and Flame, de Dragon Force. Il la connaît à expert. C'est fou. Toi, peux-tu faire ça? Non, c'est ça! J'ai les doigts qui me font mal au bout de 20 minutes de jeu! C'est ça! Alors, on les respecte! C'est peut-être un talent inutile, mais c'est un talent inutile! Ben, c'est ça, c'est du cheat! Mais ben, c'est le gars, il faisait un live comme de quoi qu'il était capable de le faire! Il voulait prouver au monde qu'il était capable de le faire, mais ben, il a cheaté! C'est du cheat, c'est pas que t'es capable de le faire, c'est que t'es capable de le faire en cheatant! Si t'es pas capable de le faire solo, t'es pas capable de le faire en solo, sans tricher, t'es pas capable de le faire là! Arrête de dire au monde que t'es capable de le faire si t'es pas capable de le faire sans tricher. C'est aussi simple que ça. Prouve-le que t'es capable de le faire. Bon, avec ça, on devrait être pas pire. Toi, Max, je t'ai déjà vu jouer Dragon Force. Je t'ai vu la jouer Took the Fire and Flame à expert et faire 90% à la note, même plus haut que ça, je pense, 95, je pense. Je t'ai vu le faire plusieurs fois d'affilée, genre la toune. Je sais qu'il est capable de la jouer, là. Moi, je suis même pas capable de faire la moitié d'arriver au refrain. Bon, je pense qu'avec ça, on devrait avoir gagné suffisamment de place pour vider un peu l'inventaire. On a condensé 21 stacks en 3 stacks. C'est bien. Bon, ça veut dire que ça peut aller là, ça peut aller là. Ça, on peut déposer, ça, on peut déposer. Ça, je garde sur moi. Moi, quand je joue à Guitar Hero, j'active le mode No Fail. Mais même si t'actives le mode No Fail, je t'ai vu sortir Dragon Took the Fire and Flame à 95%. Tu l'aurais pas fail? 95%, c'est plus qu'il faut pour la réussir.
Bon. Là, il va juste nous rester à attendre que le cactus pousse. Fait que quand on aura pas mal de cactus, en vrai, ça, je vais laisser ça tourner tranquille. Demain matin, j'en reviendrai. Je ramasserai tout le cactus, puis je recommencerai. Je replanterai une batch ou deux, là, dépendant deux fois, deux, trois fois, là, pour faire cuire pas mal de cactus. Pour avoir pas mal de vert, de colorant vert. Parce qu'on peut le faire avec les fleurs, mais c'est relativement long. C'est relativement long. Fait que je suis comme... En vrai, non. Parce que l'utilité, je peux l'utiliser... Me semble qu'on peut l'utiliser dans une machine pour automatiser le craft. Mais en vrai, le green dye... Il y a ici... Ah, c'est vrai! Ben, t'as peu. J'avais pas pensé à ça, moi. C'est sûr, si je me fumais avec ta héros, je vais rouiller. Je vais rouiller, ça fait pas un bout que j'ai pas joué. C'est sûr, t'es rouillé, Max! Ça fait des années que t'as pas joué à Guitar Hero, mais... Ça va revenir! C'est comme du vélo! Tu reprends ça, c'est pas long, là. 4... J'ai besoin de 3 stacks. Mais ça reste quand même... Que on va te laisser, Nox, bonsoir, comment vas-tu Nox? C'est sûr que si je te dis, ok, je veux que tu sois capable de me jouer Dragon Force, truc de Fire and Flame, je te laisse une semaine pour pratiquer. Je suis sûr que t'es capable en une semaine de reprendre le niveau que t'avais. C'est comme du vélo, ça s'oublie pas là, il faut juste que tu le reprennes. S, tu l'as déjà eu le niveau. J'ai pas de misère à penser que tu vas être capable de le récupérer le niveau. Si tu décides demain matin que tu t'y remets, sérieusement, on va réussir à le refaire. Non, en vrai, j'aurais aimé. Mais c'est l'abréviation de For the Pleasure. C'est triste, je suis désolé là, mais c'est j'ai piqué l'idée d'Emel qui avait dit que tu peux mettre FTP pour une autre abréviation, même. Ça reste de même, la même abréviation. For the pleasure. Oh la défaite. En vrai, j'aimerais ça. J'aimerais ben trop jouer avec ML. Ah, je le soutiens depuis. Ça doit faire 3 ans que je soutiens ML. Puis je manque presque. Je peux pas tout le temps si c'est là, mais j'écoute toutes ses rediffs. J'adore ce qu'il fait. Et le débat est clos. Il a une plus belle barbe que Tutu. Ouais, c'est Tutu. Il y a une plus belle barbe. Il n'y a pas de débat. Le débat n'existe pas. Ça, c'est... Il n'y a pas de débat. Ceux qui débattent qu'il n'y a pas une aussi belle barbe qu'elle, non. Venez me voir, on va en discuter avec. Je vais en discuter avec une batte en alu. Okay? On va en discuter avec une batte en alu, ok? J'ai pas son niveau encore. J'ai pas le niveau de barbe à ML. Merci. Je la laisse pousser. Je sais pas si un jour je vais arriver à ce point-là là, d'avoir une barbe aussi. Aussi bonhomme que ML. Ben, c'est ma caméra. J'ai de la misère à avoir la qualité que je veux de caméra. Faudrait que je zoome à mort ma caméra pour avoir une super qualité. Parce que j'ai une Logitech. Puis je veux m'avoir une vraie caméra Sony pour que je puisse avoir la qualité que je veux. Ah, excuse. J'ai mal lu. Excuse-moi. Ben, je vais le dire comme ça. C'est. Je vais répondre comme du monde à ce que tu vas dire. Non, je sais. On le voit tout de suite quand. Moi, je vais le dire comme ça. On le voit tout de suite si quelqu'un aime ce qu'il fait. Et moi, le matin, quand je me lève, je pense à streamer. J'aime streamer. C'est vraiment.
je suis pas quelqu'un d'extroverti en général, mais quand je m'assis derrière mon Streamlabs OBS, puis je pars mon stream, ça va tout seul. Je vois pas le temps passer. Je laisse tourner, puis je live, puis quand j'ai décidé que j'ai fini. Malgré que là, je t'avais de terminer, là. Il manque un élément. Oh, c'est correct. Manque ça ici. Manque des gold nuggets. Gold. Bon, donc ça devrait être pas pire. Ça. Et. On va en faire une coupe. Bon, j'ai fait ça ici. Faudrait que je le termine. Mais c'est que là, c'est du farming. Faut que je farme des heures et des heures de ressources. Parce que je suis pas mal très en endgame. Je suis pas mal en fin de jeu. Mais il doit me rester une vingtaine de quests à terminer. Pour arriver au bout, c'est le Draconium. Je suis dans Draconique. Bon, ça, on va faire le basique. Oh! Avec ton cousin en plus, ok. C'est... Moi, je fais mes lives avec, mes streams avec ma copine sur certains. Elle joue tout le temps avec moi, mais à soir, elle était pas là. Ok, t'es rush 4. Ok, ouais, t'es... Bon, ouais, elle commence à avoir du level. Bon, ça, c'est fait. Il me faut lui ici. Il me refaut le même principe. On va se refaire encore un stack de gold ingot, nugget. Et on revient ici pour refaire un petit stack de ça. Bon, j'ai plus de redstone. Ça, j'ai pas un problème là-dessus. Oh, il me reste plus autant que ça en vrai de la redstone. Et, ouh! Là, je commence à me faire du pneumatic crash. Je connais pas du tout. Je suis perdu. En vrai, Pneumaticraft, un peu, je vais regarder, là. J'ai-tu touché à Pneumaticraft, un petit peu? En vrai, ça me dit sweet nothing at all. Ça me dit rien du tout, Pneumaticraft. À part les Liquid Hopper, ça me dit ça. J'ai déjà travaillé avec des Liquid Hopper. À part de ça, ça me dit rien. Capacitor, transistor. En vrai. Utilité des capacitors. Utilité. Printed circuit board, c'est un peu évident que ça servait à ça. Ça, ça permet de faire des drones. En vrai, c'est logique. En vrai. Non, le liquid hopper, là, c'est la vie. Malgré que Pipez est fort là-dessus, pas pire, là. Mais, je te souhaite une bonne soirée, Max. Puis on se voit dimanche. Les liquid hopper, là, c'est la vie. J'ai tellement, j'ai commencé Ragnamot 5. J'étais assez loin dans Ragnamot 5. Mais c'est pas ça. En vrai, j'ai poncé les poulets dans Ragnamot 5, mais là, Ragnamot 6, il n'y a pas les poulets, il y a les abeilles. À Ragnamot 5! Moi, j'ai tout compris dans Ragnamot 5. C'est juste un mod pack light
pour faire toucher un... Ah non, un pneumaticraft, ok. Un pneumaticraft, de ce que j'en ai compris live là, là du moment que je viens de regarder, c'est la réalité. C'est la réalité. Si tu veux faire un circuit imprimé, il te faut des transistors et il te faut des capacitors. Dans la vraie vie, il te faut ça. De faire ça, il te faut des transistors et des capacitors. T'as pas le choix. De faire un circuit imprimé, ça prend ça. C'est du pur logique. D'après ce que je vois vite fait, Assembly Controller, UV Lightbox, d'après ce que je vois, c'est une manière de recréer les machines qu'on a IRL dans le jeu. Je dis ça, j'y ai pas touché. Ok, ouais, ok. Ben, aussi dans Ragna Mode 6, les crafts ont changé pour pas mal de choses. Exemple, si je prends le pressure tube, c'est du compressed iron ingot et du dark runic glass. Ou non, du verre, peu importe, ok. C'est, si je regarde le tag, contrôle tout si tag, il a utilisé le tag du glass. On peut voir la table ici de Totocraft, mais je pense en vrai que c'est un craft modifié. J'ai déjà fait un multibloc. Ok, ouais, ça fait des multiblocs. Là, c'est du Ragna Mode 6. C'est le Ragna Mode 6 de FTP. Ragna Mode 5, c'est du Skyblock. Parce que... Il faudrait qu'en vrai... Que... Oups! Pourquoi tu te déplaçais, toi? Voilà. J'ai déjà fait un peu de live sur Ragna Mode 5. Je vais continuer de faire des lives de temps en temps dessus, mais c'est des lives où je montre mon avancement que j'ai fait. Là, actuellement, je considère que j'ai assez avancé, mais il faudrait que je le relance, puis que je relance mon serveur. Parce que j'ai... 90% des poulettes fait pour les ressources, c'est l'équivalent des abeilles. C'est l'équivalent des abeilles. J'ai 90% des abeilles, des poulets de fait. Ouais, 524, ferme à mob, qui tourne plus. J'ai été obligé de l'enlever. Il y a un bug avec. Je vais le montrer là. L'inhibiteur, le Ender Inhibiteur, il y a un bug. Il fonctionne pas. Il fonctionne pas, les mobs peuvent, les Endermen peuvent encore se téléporter. Et la seule manière que j'ai trouvé d'empêcher les Endermen de se téléporter, c'est avec l'Environmental Controller, qui coûte cher sa mère, et qui coûte cher sa mère en énergie. Ben, c'est sûr que dans un stone block, t'as pas le choix d'avoir une mob ressource, là, on va dire ça comme ça, là. Et ils ont pas le choix de nous donner un mob ressource. Un mob ressource ou une manière de farmer les ressources efficacement, sans trop se casser la tête. Mais en vrai, les poulets aujourd'hui, je pense qu'il y a un... Je vais le dire comme ça, il y a un cranky qui a recommencé à faire les poulets. Mais à modifier. Mais les abeilles restent beaucoup plus stylées à faire. En vrai, moi je préfère les abeilles. Parce que tu peux pas juste mettre un drawer en dessous du poulet pis ça va remplir ton drawer de ressources. T'as rien besoin de faire. Là, t'as pas le choix de passer par du centrifuge. T'as pas le choix de passer par ça si tu veux farmer tes ressources. Ce qui est. Tant qu'à moi, plus intéressant à mettre en place, plus dynamique, plus logique aussi. Les abeilles sont vraiment stylées. Ils sont longues à prendre en main. Il me manque des abeilles en plus. Il me manque 3 abeilles vanilla. Il m'en manque 3.
il manque la... Ah, soit je l'ai. Il manque deux abeilles. Deux abeilles vanilla. Excuse. Excusez, il manque deux abeilles vanilla. Il me manque la zombie bee et la icy bee. Il me manque ces deux abeilles-là. En vanilla. Des abeilles que tu peux trouver dans le monde, que je veux dire vanilla. Là. Il me manque, théoriquement, on va regarder dans JEI, la bee, tous les spawn eggs, tous les honeycombs, et on commence les abeilles. D'ici à ici. Il y a de la marge. Il y a beaucoup d'abeilles. Et il y en a beaucoup. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 73. 93. 100 abeilles. Il y a 100 abeilles différentes. Fait que c'est le temps de faire son, son pokéfil, attraper-les tous. Sont vraiment le fun, les abeilles. Tu les laisses tourner dans une petite, petite ambiance comme ça, une petite installation comme ça, là, et avec un petit système comme ça, qui les moduleurs routeurs qui récupèrent les honeycombs qui ramassent ici, et ça vient là-dedans. C'est vraiment... Tu laisses tourner avec un petit drawer avec un void upgrade dessus. Ça tourne tout seul, t'as plein d'honeycombs sans rien faire. Le new Pokémon sorti avant hier, attrapez-les tous. J'avais pas qu'il en avait sorti un autre. Moi, j'ai arrêté de suivre Pokémon, la trilogie des Pokémon, la série des Pokémon. Un bout, j'ai pas touché. En vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans Pokémon. Je sais même plus où rendu à quelle génération, en vrai. Là. Ils sont vraiment partis loin là, dans Pokémon. Là. Beaucoup trop loin pour moi. Là. Hey, redonne-moi la redstone. Ça, j'avais vu passer qu'elle a fait un remake. Mais je pense que j'ai joué à Diamant. Le plus vieux Pokémon que j'ai joué, il était sur Game Boy Classic. C'est le plus vieux que j'ai joué, j'ai joué Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. J'ai joué à eux autres. C'est les plus loin que j'ai joué, c'est eux autres. Je pense que le dernier que j'ai joué, c'était lequel que j'ai joué en dernier? C'était Pokémon Noir, je pense, le dernier que j'ai joué. Ouais, je pense que c'est le dernier que j'ai joué. Je pense que c'est le dernier. Je suis pas sûr, là, mais je pense que c'est le dernier que j'ai joué. Je suis pas prêt à mettre ma main au feu que c'est le dernier que j'ai joué, mais dans mon souvenir, c'est le dernier que j'ai joué. Ouais, non, ben c'est ça, je t'avais de couper le live, anyway, je vais couper le live là. Parce que moi, il est... quelle heure ici? Il est 9h, il est 10h passé. Fait que moi, je vais aller prendre une douche et aller m'étendre. Fait que une bonne soirée, Nox! À la prochaine, et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine. Tchuss.